Bon, la petite connerie du jour. Bon, ça, c'est un vieux haut-parleur que j'avais sur une téloche, hein, que j'ai démonté. En gros, c'est tout un petit kit à souder soi-même, hein, très classique, avec différentes gammes de fréquences, donc de 75 kHz à 1 MHz, et on descend jusqu'à du 10 Hz, je crois. Jusqu'à du 10 Hz. Donc là, je me suis mis évidemment entre 3K et 65K pour tomber sur quelque chose d'un petit peu audible. Et on va essayer de voir ce que ça donne, si ça marche. J'ai l'impression que oui, parce que ça sifflote déjà. Donc ça sifflote déjà. Donc là, ça permet de faire varier directement les fréquences. Ça, c'est un ajustage un peu plus fin de la fréquence, toujours pareil. Là, c'est l'amplitude, manifestement. Ah oui, c'est flagrant. Le petit kit, il est pas très compliqué, hein. J'ai regardé vite fait comment il était foutu. Il fait avec un circuit spécialisé qui fait de la mise en forme de signal. Les gammes de fréquence sont associées en réalité à ces quatre condensateurs-là. Quatre valeurs différentes. Quatre valeurs différentes égale quatre bandes de fréquences différentes. Et le reste est modulé par les deux potentiomètres ici. L'amplitude totale par le potentiomètre là. Le petit cavalier permet de choisir signal triangulaire ou sinusoïdal, donc du son, sur la borne la plus en bas. Celle du centre est évidemment un signal carré. Et puis ben, c'est à peu près tout. L'alimentation c'est du 9 volts classique, hein, avec une prise classique tout à fait normée, standard. Et ce petit gadget avec le boîtier coûte, je sais plus, 7 ou 8 euros je crois. Avec le boîtier autour. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur les petits kits à la con que je montre régulièrement. Voilà, bah c'est aujourd'hui c'est ça. À la prochaine!